Bon, bah, je viens vous faire une petite vidéo. Comment je pourrais l'appeler cette vidéo-là? Je me suis fait une petite commande, ou une petite, hein, chez, vous connaissez, hein, chez, je me suis commandé deux robes. Voilà. Donc, je vais vous les montrer et je vais essayer en arrêtant mon film, arrêter et reprendre. Je vais essayer de vous les montrer portées. Donc la première, c'est pas celle qui me plaît le mieux, mais elle est mignonne quand même. Je vais vous montrer. Alors c'est des robes longues, hein, parce que comme je vous ai déjà dit, j'en ai marre d'enfiler les pantalons. Ah, c'est mon micro-ondes qui sonne, c'est pas grave. Donc le haut, alors si je vous les montre comme ça, vous allez peut-être pas voir bien. Le haut, il est comme ça, et elle est très très longue, hein. C'est là, il va falloir que je coupe au moins 30 cm en bas pour que, puis bon, il faut, de toute façon, il faut que je la lave et puis que je la, apparemment, il faut la repasser parce qu'elle est toute froissée. De toute façon, je vais la laver avant de la mettre. Donc, pour info, moi, vu ma taille, je me suis pris du 3XL chez Shein. Voilà. Et je me suis pris celle-là, alors qui me plaît, mais alors celle-là, je crois que ça va être ma chouchoute parce que déjà, le tissu, il est super. Voilà, la forme, elle est comme ça en haut, avec des petites manches un petit peu papillon, vous voyez. Alors, je vais essayer d'arrêter. C'est pas gagné, hein. Je vais essayer d'arrêter ma vidéo et de reprendre et je vais vous montrer une fois portée ce que ça donne. Je vais essayer, hein. Attendez. À tout de suite. Oh, coucou. Bon, alors voilà. Vous voyez, c'est... Bon, elle est longue, là. J'ai mis des épingles en bas, donc vous verrez pas le bas. Mais elle m'arrive... je vais me la faire, je vais me la faire aux chevilles, quoi. Bon, ici, par contre, je vais peut-être faire un petit point, vous voyez? Peut-être faire un petit point, ici. Ou mettre, petite... j'ai pas de broche, mais mon broche, de toute façon, c'est pas... je suis pas Madame Bijoux. Donc, je pense que là, je vais faire un petit point, ici. Je vais faire un petit point. Je pense que ça devrait... mais je suis à l'aise dedans. Des petites manches papillons qui sont pas mal. Alors pour info, c'est des robes qui font pas 20 euros pièce, hein. Je crois que c'est dans les 15 euros, je sais plus. Voilà, donc on a une. Alors ça, c'est du 3XL. Et pour info, d'habitude, je m'habille en 50-52. Voilà. Je ne vous cache rien. Alors, derrière, je ne sais pas ce que ça donne. Je vous montre. Voilà. J'aime, par contre, c'est ici, je vous dis, ici, il faut que je fasse un petit point. Parce que là, moi, non, je ne suis pas, hein, c'est pas mon truc. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Voilà, un petit point ici. Donc, je vous laisse et j'essaye l'autre robe. Me revoili, me revoilou. Alors, celle-là, c'est le même problème. J'aurais pu prendre un 2XL. Hein, parce que 3XL, je ne sais pas. Mais je me sens à l'aise aussi. Bon, là, c'est pareil, j'ai un ourlet de 20-30 cm à faire. Oui, facile. Mais c'est ce problème ici qu'il va falloir que je trouve un système. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas rentrer. Il va falloir que je trouve un petit système pour mettre ici. Pour que ça me tienne, parce que ça, moi, là, je suis pas à mon aise, hein. Du tout, du tout, du tout. Avec ça, je suis pas à mon aise. Mais je suis sûre, j'aurais pris un 2XL. Bon, je sais, je pourrais les renvoyer, mais je vais pas les renvoyer, hein. Je les ai attendus là pendant déjà 3 semaines à moi. Donc, ouais, j'aurais pu, vous voyez, j'ai maigri en plus. Alors, moi, je me suis fiée à la taille que je faisais, 50-52, mais apparemment, j'aurais pu prendre un 2XL. Je regarderai la prochaine fois pour prendre un peu plus. Bon, forcément, j'ai des hanches, hein, comme tout le monde. Mais pour l'été, je sens que je vais être bien. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas vous montrer au loin ce que ça donne. De toute façon, là, pour l'instant, je marche dessus, hein. Donc, bah, j'espère que ça va, que ça vous plaît, que ça va peut-être vous donner des idées. Chez Shein, c'est la première fois que je commandais, donc... mais j'en entends du bien, je vois des vidéos, des présentations. J'ai dit, ben, je vais... mon micro-ondes qui sonne toujours.
J'ai dit, je vais aller faire un tour. À choisir, je préfère la petite noire. Mais bon, celle-là, même pour rester dans le jardin cet été, ça va être super. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais me rasseoir. Je vais la garder sur moi pour l'instant. Je ne sais pas où est la chaise. Elle est là. Voilà. Non, mais allez, c'est dommage parce que celle-ci, je suis obligée de la couper en bas. Et regardez, elle a un petit volant. Mais ça, je ne vais pas pouvoir le laisser. Vous voyez, elle a un petit volant là. Je ne sais pas si vous aussi vous devez le voir là. Mais j'ai. Attendez, j'ai marqué, j'ai fait une marque déjà. Si j'ai fait la marque. Si j'ai fait une marque. Mais bon, je vais reprendre. De toute façon, il faut que je reprenne bien les dimensions. J'ai juste fait comme ça. Je ne sais même pas où sont mes aiguilles. Je sais que j'ai fait une marque, mais où? Ça, c'est autre chose. Bon, enfin bon, je vous dis, j'ai 30 cm à couper. Hein, donc, mais c'est fluide, c'est super. Hein. Alors, c'est en 100% polyester. Ouais, ben, Made in China. Hein, de toute façon, chez Shein, ça ne peut pas être autre chose. Hein. Donc, mais elle est super légère. Ça, c'est ce qui me convient. Et j'aime bien l'emplacement. Ça, l'emplacement, l'empiècement. Alors attendez, l'empiècement, il est. Non, quand il va faire très chaud, là. J'aurais eu ça, là, quand il faisait très chaud. C'était super. Voilà. Non, j'aime bien. Ça, je ne suis pas serrée à la taille du tout. Bon, en plus, c'est élastique. Hein. Je vous dis, j'aurais pris un 2XL, ça aurait été suffisant. Mais bon, je ne vais pas les renvoyer, je vais les garder comme ça. La prochaine fois, je commanderai du 2XL. Voilà, bah écoutez, sur ce, hein, qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter d'autre? Attendez, que je ne marche pas trop dessus. De toute façon, là, je vais la laver, mais que je ne vous montre pas mes nénés quand même. Parce que c'est vrai que c'est un peu trop déco... Enfin, il y en a qui garderaient comme ça, hein. Il y en a qui garderaient comme ça, mais moi, non, je suis pas à mon aise. Non, mais ça baille, hein. Donc, il faut que. Oh, j'ai trouvé un système. Hein. J'ai trouvé un système pour que ça tienne ici. Ouais. Non, mais j'aime bien. Hein. Franchement, la forme. Bon, c'est à peu près les deux mêmes formes. Sauf que l'autre, elle est plus marquée ici, comme ça. Non, j'aime bien. Bon, celle-là, je sortirai peut-être pas avec. Celle-là, je sortirai pas avec. Avec la noire et les petites fleurs noires, blanches, là, si. Ça, je sortirai avec celle-là. Ouais. Celle-là, il n'y a pas de souci. Je sortirai avec. Ouais. C'est des toutes petites fleurs, j'aime bien. Franchement, je suis pas déçue de celle-là. Hein. Je suis pas déçue non plus de la rose, mais à choisir, je préfère quand même la noire. Voilà. Bon, la couleur, ça change un peu, de mettre un peu de couleur aussi. Hein. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. C'était juste pour vous faire ma petite. Vous montrer que, bah, que je m'étais acheté des robes. Voilà. J'ai dit, bon, bah, je n'ai pas de vidéo à leur faire aujourd'hui. Eh bah, bien, je vais leur montrer ce que j'ai reçu. Alors là, on est. Alors, j'avais pas vu. Hier, j'avais été voir mon courrier. C'était pas dans ma boîte aux lettres, rien du tout. Mais j'ai dû aller voir trop tôt. Parce que ce matin, en regardant mes messages, mes mails, je vois commande livrée. Dans votre boîte aux lettres, allez voir dans votre boîte aux lettres, enfin je sais pourquoi, ce qu'ils avaient marqué, si vous n'avez pas vu dans votre boîte aux lettres, regardez chez les voisins, enfin bon, ils m'avaient marqué un tas de trucs. Je dis bon, ben, je vais aller voir, ben oui, ça a été livré hier, parce qu'aujourd'hui, bon, ben, c'est férié, on est jour de l'Ascension, c'est férié, donc ça a été livré hier, voilà. Et ben, sur ce, je vous laisse, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à la prochaine vidéo, bisous!